Genre le, je récupère, je redonne au lanceur derrière, le lanceur qui arrive à lancer au au danseur de guerre qui était démarqué. Ouais, je, bah, j'avais vu. Hein. Mais il y avait peut-être un petit peu de pression autour du ballon quand même. Parce qu'il aurait fallu que tu refasses à nouveau une esquive pour éviter l'interception. Oui. Ça aurait pu passer. Ça aurait été une esquive plus 3, ça aurait pu passer. Et totalement. Alors maintenant, ça n'est plus la même chose, il va falloir qu'on se mette en défense. Et j'ai un loup-garou qui a été sorti, c'est gentil ça. Mais moi je préfère qu'il soit sur le terrain. Bizarrement. Oh non, si lui il est dehors, ça ne me dérange pas moi. Entre ça et un zombie, je préfère le zombard, hein. Clairement. Oh, tu sais, c'est pas mes loups-garous qu'on, qu'on fait le plus de blessures sur le sur la troisième saison. Bah, tu m'étonnes. C'est là pour ça en même temps. Tu sais, tu leur as mis griffes et tout, tu m'étonnes qu'ils doivent faire. Non, ils l'ont par défaut, griffes. La seule mutation la seule mutation que les nécromantiques peuvent avoir, c'est griffes. Et il est par défaut sur les loups-garous. Je peux pas en avoir sur d'autres, d'autres joueurs. J'ai pas un petit gars qui traîne derrière, non. Oh, je vais garder sous la main mon zombie avec, avec châtaigne. Ah, si, je peux inverser ça. Tac. J'ai un peu trop de zombies maintenant sur le terrain. T'as un comme... Comment ? Revenant qui est sorti. Hey. Ouais, j'ai un revenant, ouais. Bon. C'est con, c'était celui avec bloqué avec garde. Et garde. Ouais, je vais sauvegarder le placement comme ça, il sera très bien. Et c'est parti. Voilà, bon, l'objectif, c'est au moins l'égalité. Jamais. Ah mais pour moi, pour moi une victoire c'est soit avoir un but de plus que l'adversaire, soit avoir le même nombre. Pour moi l'égalité vaut autant que la victoire. Surtout que au final sur le classement, si je te bats, enfin si j'ai une victoire contre toi, bah on fait qu'échanger nos places sur le classement. Donc on... si on sort, si on monte pas plus, on sera dégagé en division inférieure. Non, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je veux garder ma division. Bah moi aussi, je veux garder ma place. Moi aussi, j'ai envie de garder ma place. Mais bon, pour l'instant, on est 7, on est 7 et 8e. Non. Non, 9 et 10e, pardon. Donc, bon. Alors, j'ai vu que Krug avait perdu son dernier match. Il y a moyen qu'il, du coup, qu'il monte pas en D1, du coup. Bon, je dis ça, mais il reste encore quoi 2-3 matchs. Là, il reste 2 matchs. Non. Ah ouais, ah, j'aurais dit plus. Étonnamment. Ouais. Allez, on va tenter un truc avec ça. Wouhou! J'aime bien, j'ai pas utilisé mes j'ai presque pas utilisé mes relances à la première mi-temps et là je gagne encore des relances. C'est dommage qu'on les stack pas. Le jeu est généreux. C'est ça. Ok, sonné.
Ouais, mais full marche. Là, ce qui serait drôle, c'est qu'ils mettent des races de Warhammer 40 000 dans Blood Bowl. Et j'entends. Ça coupera. Ah, je disais, ce qui serait drôle, c'est qu'ils mettent des nouvelles races, style celle de Warhammer 40 000. Ouais, mais après, c'est. L'intérêt du football, c'est de le faire avec les races de battle aussi. Ouais, mais je suis sûr qu'on peut s'amuser Faudrait avec. qu'ils refassent une édition football complètement spécialisée sur. Sur 40 000? Ouais, ça pourrait être. Bah, de toute façon, on verra. Hein. Ils ont déjà, il y a déjà des races qu'il n'y avait pas dans le premier. Ball. Peut-être qu'il va falloir attendre le Blood Bowl 3 ou Blood Bowl 4. Mais il va sortir, ton gars, fais gaffe. Ah oui, d'accord, c'est un peu agressif, ça, mon garçon. Comment? C'est un petit peu agressif? Je trouve pas du tout. T'avais qu'à rester de ton côté. Il y a une. Une ligne au milieu du terrain, c'est l'endroit où il faut pas C'est dépasser, c'est ça. tout. Il y en a qui veulent pas de problème, ils restent de leur côté. Non, ce qui serait agressif, c'est si je commençais à te sortir tous tes joueurs. Ouais. T'essayes quand même. Là, tu pourrais dire merde. Ah merde, c'est vrai qu'il a lutte. Oh la boulette. J'avais oublié qu'il avait lutte. La pesquille. Ouais, on va peut-être éviter. Ouais, c'est un peu agressif ça. C'est un peu agressif. Non, pour le coup, c'est. Je dirais même que c'est un peu, comment dire, un peu optimiste. Ah, du coup, ça Clairement. m'emmerde, ça fait un 2D rouge ici. Tant pis. Mince. C'est le truc con, j'aurais pu. L'autre gars, au lieu de lui faire blocage, j'aurais pu l'écarter, enfin le mettre au sol sans problème. J'avais juste pas envie qu'il bouge, et en fait, j'avais pas vu qu'il avait lutte. Alors, est-ce qu'il va rater son ramassage en plus 2? Encore? Oh, le 3D. Ah non, seulement 2, ok.
Ah, c'est relou. Ça serait drôle que tu repasses derrière, que tu fasses des mises de paquets, que tu tombes par terre. Ouais, mais. Je pouvais éviter, ça m'arrangerait quand Le même. mec qui essaye de sécuriser son joueur de mes joueurs à moi et qui au final le blesse, du coup il se retrouve sur le banc de touche et il est sécurisé. Mon Dieu, il a réussi à attraper le ballon. C'est une prouesse. T'as eu chaud quand même, hein. Réception plus 2 plus et t'as fait 2. Ouais, ce sera le meilleur. Allez, rate ton plus 3. Ah, la saloperie. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça tente des trucs comme ça. J'allais dire. On va pas faire deux en vrai. On va s'arrêter là. Ah, tu veux pas faire une longue passe là, à travers tout le terrain? C'est juste... Ben, j'hésitais à aller essayer de planter le TD à ce tour-ci, mais c'est un peu Bah là, tu greedy. peux plus. Genre un petit peu. Là, tu peux plus. C'est dommage qu'on puisse pas comment dire, prévoir des actions. Style de tu prévois de lancer la balle à cette case-là et après t'envoies un joueur justement sur cette case. C'est un peu comme dans les jeux de stratégie. Mais je, enfin, avec anticipation, Ouais. ça marche sur les passes aussi normalement, non? Alors ça, je sais plus, faudra revoir ce qu'il y a écrit dessus. Ajoute 1 à tout jet de réception sur une passe parfaite ciblant sa case. De plus, le joueur tente d'attraper toutes les passes, coups d'envoi ou renvoi de touche qui atterrissent dans une zone. Ouais, dans une zone d'une case autour du joueur, c'est ça. C'est un peu comme plongeon. Plongeon et anticipation. Anticipation, je sais pas, au coup d'envoi ou pas. Il se décale de 3 cases pour aller vers l'endroit où le ballon tombe. Imagine, il a plongeon et anticipation, Il et se décale de 3 à cases, côté il de se ça, le retrouve lanceur, en... il a main de. Ouais, si la balle tombe à 4 cases de lui, Il... tu l'as, quoi. Enfin, t'as le ballon. C'est ça. Mais imagine, t'as ça, et ensuite, t'as un lanceur avec main de Dieu. Plus dextérité et puis dextérité pour le Genre, receveur. le lanceur, il lance n'importe où sur le terrain. Ce sera jamais une passe précise, mais ça réussira toujours. Ouais, ça peut faire un super joueur. Et je sais pas si ça marcherait ce combo-là. Ah, Ce serait très faudrait drôle. le tester. Après, il te manquerait juste dextérité et pro pour le receveur. Et t'aurais presque, on va, tu raterais presque aucune balle en fait. Clairement. Enfin, dextérité, c'est ramasser la balle sur le sol, c'est pas attraper les Ah, passes. c'est pas sur tous Réception, les quoi. jets d'agilité? D'accord. Bon bah, je croyais. Bon bah, réception, c'est pas, y a pas une compétence ou c'est réception? Si, c'est réception qui relance automatiquement les passes. Alors je comprends pas, je capte plus là. Bon, au moins comme ça, tu feras plus ton gros lancer. C'est peut-être un peu risqué ça. Merde. Ça dégage. Shit.
Voilà, c'est que du 1D, on va peut-être pas le tenter tout de suite. Là, par contre, c'est un joli petit 2D qui va dégager. Ah, désolé. Ouch. Bon, faut espérer qu'il ait pas moins 1 d'agilité. Ah non, c'est bon, il rate juste le prochain match. Oh, un passage de niveau. En fait, ça faisait tellement longtemps. Ouais. Je vais pouvoir lui rajouter, je sais pas, un truc pour faire mal. Ah, dommage. Oh, nice. Oh, c'est beau. Non, c'était mieux ouais, avant. T'es sûr? Dis-moi. T'as raison, c'était mieux avant. Et c'est une hécatombe. Je crois que l'équipe adverse a décidé pour tous ses joueurs de retourner sur le banc. Ah, ça va. Alors, j'ai pas compris ce que t'as dit. Il manque des joueurs là, il y a un trou, ça va pas. Pas très efficace la boule de feu. Ah putain, j'en ai eu qu'un. Ouais, et puis en plus, c'est pas forcément celui, c'est pas celui qui t'arrange. Non, bah j'espère. Ouais, t'espérais me coucher mes deux revenants. Pour faire une transmission et ensuite courir. Le revenant et les zombies. Deux zombies, ouais, pas mon revenant. Enfin bon, c'est pas. Ça a que. Je crois que ça a que 50% de chance la boule de feu. Comparé à l'éclair qui est à 78. Ouais, et c'est sur une seule cible donc. Oui, l'éclair c'est que sur une seule cible. C'est bon. Ah. Ouais. Et là, une grande question s'offre à toi. Mais à qui tu vas bien pouvoir passer cette passe? Parce qu'il n'y a plus personne de mon côté pour récupérer. C'est pas grave ça. Je suis pas obligé de passer de suite. Bah, faut juste espérer que tu finisses pas avec 4 joueurs. Quoique encore, 4 joueurs, tu peux encore marquer. Ça m'est déjà arrivé. Ça fait longtemps, mais ça m'est déjà arrivé. C'était pas très plaisant, j'avoue. Donc c'est vrai que si je pouvais éviter de recommencer, ça m'arrangerait. Pour info, la zone de TD, elle est de l'autre côté. Mais après, si tu veux marquer contre ton camp, moi, ça me pose pas de problème. Mais je crois que c'est pas intégré dans le jeu. Oh. Ça serait quand même un super truc, ça. Tu sais, ce serait quand même complètement fumé. Tu recules pour éviter de te faire tacler et au final, tu rentres dans la mauvaise zone. Ok, allez. Je sens que Jacouille va encore prendre cher. Non, ça va. Comme as. Ouais. Putain, il y a un gros pâté informe de joueurs au milieu du terrain. C'est ça. C'est tellement laid. Et on a surtout trois joueurs à la tête dans les étoiles. Qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent là. Toi, va falloir que tu viennes, je pense, par là.
frénétique, on est bien. Ouais, non, c'est pas le bon. C'est celui-là qui a frénésie. Glissade, glissade, glissade. Non, ça c'est après. Shit. Là, il peut avoir glissade par contre. Enfin, raté son. Non, ah, il a pas raté. Moi, ce que j'aime bien, c'est ton mec qui préfère rester au sol. Ah, mais il était sonné, lui, je pouvais pas le relever. Ah, d'accord, autant pour moi. J'aurais bien voulu, hein, mais j'ai pas pu. Ah, j'imagine. Ah, merde, là, c'était peut-être pas la meilleure idée pour le déplacer. C'est pas grave. Vas-y, c'est pas à moitié chiant, ça. Oui, je sais, je tente des mises de paquets sur un terrain avec un revêtement d'astrogranite, mais je m'en fous. Et n'empêche, t'as de la chance que je sois pas du genre à faire des... Ouais, des agressions. Sur les jets de blessure, c'est vrai. Alors. Hein, Locrim. T'as de la chance que je sois pas du genre à faire les agressions parce que là ton gars tout en bas il aurait pris cher. Clairement. Avant. Un choix. Mais cet homme est fou! Raté! Pas le bon choix. Là, il va rater. Oh! Ah, fait chier! Non, oh, il est non, KO! Bon, ça va! Il a fait le tacle, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu le tacle quand j'ai cliqué pour lancer mon. Attaque! T'as grillé ta. T'as grillé ton apothicaire pour ça? Tu sais que c'est toujours quand on fait ça qu'après on a des blessés. Oh. Dodo. T'as de la chance, hein. Mais cassé. T'as de la chance sur ce coup-là, quand même. Ça aurait pu tellement mal finir. Bon bah je crois que c'est bon là. Toi tu peux aller juste. Oh,
Bon, maintenant c'est le moment où. Vraiment Où tu tout. tentes l'esquive et la passe. Et qu'après, moi, j'arrive, Absolument je te tout. fais une frénésie et tu sors ton et je te sors ton joueur. Normalement. Allez, là, tu rates la passe. Et merde. Ah non, ça passe. Joli. Courir là, c'est de la merde. Oh, le Là, plus ouais, ça 4 va être ça. d'esquive. Ouais, c'est un peu trop boldy. Même pour des elfes. En même temps, j'ai pas grand chose d'autre à faire avec ces trucs-là. Hop. Donc là. Bah là, t'es mal barré, hein. Ah, t'as failli le louper. Effectivement. Hop. Ensuite. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire avec mes persos. C'est le deuxième perso que je vois tourner sur lui-même avant de marcher sur sa dernière case. Je dois avoir un sacré bug logiciel. Non mais c'est des effets de style, tu vois, on leur a demandé de mettre des points pour la Ouh, le plus les 5 en moves. esquive. Tu feras gaffe, il attaque. Hop. Ah oui, ouais. Effectivement, je l'ai, oui. Oui, ça, ouais. Moi Je. j'en connais un, il tient Oui, pas à la vie de ses personnages. genre. Il y a eu un petit peu de manque. J'aurais dû me rapprocher. Oh. Dégage de mon terrain. Alors, où est-ce qu'elle est passée la balle? Sérieusement? Sérieusement? Oh non! Oh non! Oh. Oh, tu vois le jeu qui te fait un grand doigt d'honneur. Non, là c'est un gros. Ah, bordel. Bon, je peux pas faire pire, j'ai fait un 1. Échec critique et ensuite succès critique. Pourquoi pas? J'ai mal pour toi parce que j'avais fait une grosse erreur et genre t'es pas récompensé pour m'avoir C'est puni ça. genre. Ah mais c'est Blood Bowl, hein. Non. C'est Blood Bowl. Oh. Ouais, là, c'est même pas la peine que je tente ça.
paye. Oui, je sais, je suis fou. Une chaise. Et ça passe. Comme quoi. Le karma me punit. Genre, est-ce qu'il m'a fait un faux espoir ou est-ce que c'était vraiment pour te caler une grande douille? Ah, c'était peut-être un peu les deux, je pense. Bon, au pire, si tu marques là, 3 tours, ça me suffit pour marquer, surtout que t'as plus trop de joueurs aptes à jouer, quoi. Ouais, mais t'auras pas de quoi mettre 2 buts. Bah, si. J'ai que j'ai que un joueur en dehors du terrain et un qui peut revenir. Ah oui, non, 2 buts, tu veux dire, ouais. Je pense. Bon, c'est pas grave. Un seul but, ça me suffit largement. Tu sais, là, on gagne un tour supplémentaire. Ah, ton gars se relève. Je vais pouvoir lui taper à nouveau dessus. J'ai fait bien. Et du coup, maintenant, c'est l'opération Trouillard. Tout le monde se fout au fond du terrain. Ben, non, même pas, parce que t'as quand même 3 tours, donc ça me ferait chier... D'attendre au fond du terrain pendant 3 même tours. Même pas, en fait, genre... Ouais, c'est pas que ça me ferait chier d'attendre, c'est surtout que si j'attends, tu vas venir et tu as juste à me percer un trou. Niqué, donc... Bruno. Je pense que c'est mes linemen qui se sont fait blesser. Ok. Ils sont bien placés mes mecs là, c'est bon, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit à mon positionnement d'équipe. Je reste comme ça. Tu as toujours ton joueur avec frappe précise. Ouais, tu l'as toujours. Parce que tout à l'heure, j'étais en... Ah merde, je l'ai foutu. Oh, je suis un connard. Je l'ai foutu sur le côté. Tout à l'heure, je me disais, je vais peut-être lui taper sur son joueur avec frappe précise. Oh, sérieux? Et en fait, j'ai préféré taper sur celui qui avait tacle. Ah, oh, putain. Bon, en tout cas, c'est sympa de me passer la balle comme ça. C'est très fair-play de ta part. C'est gentil, c'est de la pure politesse, là. Bon, ce qui m'emmerde, c'est que je suis à moins 9 buts pour l'instant sur le classement. Ah, effectivement, c'est un peu... Ouais, un peu j'avais envie de te mettre 3 buts dans la tronche, mais j'ai pas réussi. Ouais, il y avait de l'espoir, là, quand même, par contre. Ah bah, c'est sûr que début de deuxième mi-temps, t'aurais pu avoir mal. En fait, il faut que je lui donne plongée à mon loup-garou. Comme ça, quand la balle tombe à côté, ça pose plus de problème. Alors, on va taper sur qui en premier? Ah, toi, t'as plus de chances de monter d'un niveau. Allez, hop. Tant pis. Alors ça dégage.
Ouais, je sais, le 1D là, c'était risqué. Bon, ma pute frappe précise. Ouf! Oh, le moins un de mouvement. J'ai des stats qui partent que j'ai plus de... Que j'ai plus d'appo. Ah bah, je te l'avais dit. Hein. Je te l'avais dit. Mais bon. C'est marrant, j'ai un effet de déjà vu. Et j'ai plus personne à jouer. Pas, ça aurait été tellement drôle. J'avoue que je me suis dit merde. Qui risquait de tomber. Bah là, t'as aucun gars qui est à portée pour pouvoir me bloquer mon joueur. Il est obligé, pour le bloquer, il est obligé de faire une relance. Enfin, une mise de paquet. Allez, l'esquive en plus 2, le blitz. Non. Ah, le 3D carrément? Tu veux tenter 3. Mais non, mais c'est un 4 de force, je suis obligé de faire ça. Ah bah pour oui, avoir oui. 2 dés. Mais tu sais que j'avais pas blocage? J'avais pas blocage, tu pouvais me le mettre au sol direct. Hein. Allez, souffre.
Fais gaffe, encore 3 joueurs qui sortent et tu finis à 4 sur le terrain. On est parti pour. Hein. Ramasser et me tirer, ça me fait. Ouais, c'est jouable, tranquille. Mais sinon, je peux faire ça. Ah, c'est presque plus jouable de faire ça comme ça. Ah non. Non, non. Parce que du coup, t'as personne pour protéger ton loup-garou en fait. Bah, à ce stade, j'ai plus besoin. Oh, le 1D. Oh, à ce stade, j'ai plus besoin. Toutes les armures qui vont craquer au dernier tour, genre. Ok, là il est pas passé. Ah bah il est pas passé. Allez, viens par la petite. Oh merde. Va falloir que je fasse une longue passe. Oh. Joueur en démarqué dans ton terrain. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as aucun. Si seulement j'avais. Ouais, c'est ça, t'as aucun joueur. C'est con, hein. Ouais. C'était un match plein de rebondissements. C'est rien de le dire. Oh, par contre, il lui manquait esquive, je pense, à mon mec. Non sens, mais. Esquive est bon, ça serait deux compétences sympathiques à leur mettre, mais je crois que si je continue comme ça, en fait, toutes les compétences seraient sympathiques à leur mettre. Le gars qui attend que son... Ah, dommage. Le gars qui attend que son loup-garou il soit niveau 10 pour qu'il ait des plein de compétences. Ah mais oui, mais c'est le tacleur encore. Non, cette fois c'est ma goule qui a pas tacle. Et en plus il est KO. Allez, il dégage. Oh. Ah. Du coup, par contre... Garou, into course effrénée. Ouais, mais faut que je te casse ton équipe avant. Sinon, c'est pas drôle. Gâche pas tes. Mais relance, ouais, je sais. Ah, t'as pas voulu utiliser esquive. C'est étonnant. Alors, là. Ok, il est en place. Du trans... Signable. J'ai pas compris. Non, si j'envoie de là... Parce que là, faut que tu transmettes au revenant ouais, et que le revenant que... court jusqu'au ouais. Plus loin. Mais après, il faut qu'il fasse la passe. T'aurais dû faire ta transmission directement au loup-garou et le faire courir avec. Ouais, c'est vrai. Ça m'aurait évité une longue passe, merde. J'avais pas pensé à ça. Mais bon, c'est pas grave. Lancer magique. C'est ça. Oh, sur 4. Case, ça peut le ça faire. Me fait un plus 4 pour la passe et un plus 3 pour la réception. On va tenter. Non, ah, ça oh. Passe pas. Ah putain. Oh. J'aurais dû faire comme tu dis. Les transmissions. Juste, bordel de merde. Bon bah c'était un joli match. Je l'ai encore perdu. Tant pis. Au moins j'ai eu un passage de niveau. Sur une blessure. Pour la saison prochaine, on se retrouve en je sais pas quelle division. Bah on sera en division... Si on continue à être comme ça en fin de classement de la division 2, on sera en division 3. Hein. Oh, ça dépend s'il y a du désistement sur la saison du haut. comme cette saison-là. Et dire que j'ai quand même pas failli ne pas être dans la D2. Ouais.
Mais moi j'allais être j'étais quasiment relégable en D3 et finalement je me retrouve envoyé en D2 donc. Ouais bah moi je montais dans le classement de la D3. Sauf que j'ai voulu faire plein de trucs en même temps pour ma chaîne YouTube, mais ça m'a pris du temps et du coup j'ai loupé le moment de l'inscription. Et Krug a été sympa, il s'est trouvé du temps pour me réintégrer en D2 en même temps qu'il y avait Sir Magnus, lui qui voulait recommencer son équipe. Oui, d'accord. Et donc je me suis retrouvé en D3 et au final en D2 parce qu'il y avait des désistements. Avec la petite remontée là. Alors, ouais, bah on a gagné Bonté qui est MVP du match. Ok, il lui manque encore 5 points, non 6 points pour passer niveau 5. Ah toi aussi t'as une montée de niveau là. Mais j'en ai plusieurs je pense parce que j'ai eu pas mal d'SPP quand même. J'ai mon receveur, il va avoir level up peut-être aussi. T'as acheté brisé 14 armures. En fait la balle elle est pas restée longtemps dans les mains des joueurs. 12% non, pour vraiment. Moi, 25% pour toi. Elle est restée surtout à terre. Ah, j'ai quand même 4 gars qui ont pris de l'XP. Ok. Mais par contre, en vrai, je me demande un truc, c'est la saison prochaine. Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes équipes ou pas? Parce qu'au final, les gens qui sont arrivés après dans la fosse, ben, ils ont aucune chance que, enfin, ils ont aucune chance d'arriver à remonter dans les premières. Ouais, ça sera que l'année prochaine pour eux. Non, bah, mais bah, si j'ai bien compris, du coup, si j'ai bien compris, on continuera avec nos équipes. On continuera ouais. Avec le classement comme ça. Il n'y aura pas de retour à zéro de la compétition en fait. Non, mais ils voulaient reset les équipes, non? J'ai pas eu l'info. Ouais, je pense qu'il fera... Je sais plus, Il fera sûrement une petite vidéo explicative. Ouais. Ouais, parce qu'à un moment donné, on se demandait... Enfin, tu vois, comme les dernières... les équipes qui sont en D4 ou en D5, enfin... Ils ont quasiment aucune chance d'arriver en D1. Oui. C'est vrai. Et du coup, il me semble qu'ils voulaient reset les classements pour que... Et du coup, ils nous demanderaient de recommencer des équipes à zéro. Qui viennent de créer leur équipe, ils soient pas en train d'affronter des équipes qui sont là depuis 3 saisons et qui ont 3000 de TV contre leur truc, quoi. Bon. Bon, là, du coup... Là, du coup, je sais pas quoi lui mettre là à mon Krug le salé. Parce qu'en soi, je crois qu'il a esquive et blocage. Ouais, bah je crois que je vais laisser ma communauté choisir. Parce que c'est compliqué là. Je sais pas si je lui mets pro ou si je lui mets tacle. Parce que je... Sur le ouais. Revenant. C'est au début je voulais le faire dégager vu qu'il avait plus que 5 de mouvement. Mais maintenant qu'il vient de passer à son niveau 3, il commence à avoir des compétences sympathiques entre châtaigne, il a blocage, je crois même qu'il a esquive. Non, il doit avoir que châtaigne et blocage. Ouais, niveau 3, c'est sa troisième compétence.
Et là, je pense que je vais lui mettre soit pro, soit tackle, et puis je vais laisser le choix à ma communauté. Hein. Comme d'hab, je vais faire un petit. Tu sais, les Stropole YouTube là. Stropole. Ouais. Anticipation, ça marche que sur les. Que sur les engagements. Ah, c'est dommage ça. Alors, voyons. Putain, j'ai un golem qui a deux doigts de passer au niveau 3. J'ai bon, un zombie aussi qui va passer niveau 2. Un autre zombie qui risque de passer niveau 2. Mais bon, c'est Jacouille, depuis la saison 2, en fait, il est à deux doigts de passer niveau 2. Il gagne pas du tout d'XP, mais on n'arrête pas de lui taper dessus. Là, je vais avoir un zombie niveau 4. Attention. Je vais me retrouver contre la cour de scie la semaine prochaine. Si tu vas voir. Toi, tu vas voir. Bonjour, Sissou. C'est ça. Aïe. Je l'avais déjà. Eh ben, j'ai pas arrêté de la croiser sur les. C'est depuis la première saison, en fait. Et je crois que je l'ai. Non, je dois pas l'avoir battu une seule fois. Et pourtant, je lui ai tué une furie, enfin, je lui ai massacré des équipes. Là, elle a que 11 joueurs. Comment ? Ça a coupé, j'ai pas compris ce que t'as dit. Ça veut pas. Enfin, j'ai pas compris à nouveau, mais c'est pas. Bon, c'est pas grave. C'est la mort du vocal. Ah, mais c'est ça. Bon, ça s'arrangera quand j'aurai acheté un ordinateur portable. Un ordinateur fixe. Là, j'ai ouvert un Tipeee pour, donc bon, on verra bien. Ok, bon, bah, je crois qu'on va se laisser là. Hein. Ouais. Et bah, je te dis merci pour ce match, puis. Puis, bah, du coup, bonne chance pour la suite de la compétition. Bah, merci à toi aussi. Salut. Merci. Et donc les amis, comme je disais à Locrim, je vous laisse le choix donc pour Krug le Salé. Voilà, bon c'est chiant, faut refaire l'animation, c'est chiant. Donc je vous laisse le choix entre Tackle et Pro. Si jamais vous avez d'autres idées, vous les mettez dans les commentaires et puis j'aviserai. Voilà, mais pour l'instant, de la stratégie que je prévois pour l'équipe de la cour de scie, je sais pas si je prends tackle ou si je prends pro. Je serais plus tenté pour prendre tackle, étant donné que c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'agilité. Là, on a vu contre Locrim que tackle était quand même assez utile. Bon, surtout parce que Locrim avait oublié de faire attention à ce petit détail. Sinon, voilà. Allez, vous pouvez reprendre une activité normale. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.